Bonjour, je suis Jean-Guillaume, je suis un musicien français et voilà, je suis originaire de Bretagne, une partie de la France la plus à l'ouest. Je ne pense pas parler avec un accent particulier, mais peut-être le décèlerez-vous si vous écoutez bien. Eh bien, je fais de la musique dans plusieurs groupes français, évidemment. Je fais de la guitare manouche, et la guitare manouche est un instrument spécifiquement français qui a été inventé à l'époque de Django Reinhardt, qui en fut le plus admirable instrumentiste. Manouche, c'est un terme qui désigne les gitans de France. Alors, y en a ailleurs, hein, dans tous les pays européens, mais en France, on dit les manouches. Et ils ont inventé une musique particulière, faite avec les guitares acoustiques, cette guitare que vous voyez là. Et donc cette musique était, ces guitares sont faites pour jouer dans la rue au départ, pour sonner assez fort pour ça. Et progressivement elles ont été amplifiées. Et c'est un style un petit peu ancien, un petit peu désuet, qui est revenu à la mode il y a quelques années et qui continue maintenant à travers plusieurs évolutions actuelles. Donc j'ai étudié la musique ici, en particulier à Tours, à Brest aussi en Bretagne, mais à Tours. Là, c'est l'école Jazz à Tours qui est assez connue en France. Et c'est une école où on apprend le jazz, qui est une musique qui n'est pas originaire d'ici, bien sûr, mais qui s'est beaucoup développée aussi en France et en Europe. Alors, mes groupes donc de jazz acoustique sont Alternate Cake, qui est ici à Tours, My Favorite Swing, qui est un trio de jazz manouche plus traditionnel, et Hop 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 Crew, qui est de la musique balkanique et qui est en Bretagne, celui-ci. La chanson que je vais jouer est un traditionnel du jazz manouche, c'est une valse. Parce qu'au début, le jazz manouche, c'était un mélange entre le jazz et ce qu'on appelle la musette, qui est un style français, qui était joué typiquement à Paris, et donc par des accordéons le plus souvent. Et les guitaristes ont repris ce genre de valse au départ, qui reprennent pas mal d'éléments du langage du jazz finalement. Et donc c'est un petit peu le départ de la guitare manouche au niveau autant technique que mélodique. Voilà. Alors, clique ici pour plus de vidéos, ici pour découvrir mon groupe Alternate Cake de jazz acoustique, et ici pour s'inscrire.
C'est bon.